La journée, c'est un streamer ordinaire. Et le soir, c'est Super Panda. Banana. Le mec a retrouvé son bonnet, c'est bon, il est content. Ah. Bonjour à tous, bienvenue sur Bacal Live, le live où on fait du Persona 5. Tranquillement, calmement, avec amour. Et ce soir, nous sommes dans le palace de Saesan, le procureur. Et l'on doit se rendre. C'est mon groupe là? Est-ce qu'on prendrait pas le petit nouveau? 45. Ouais, et du coup, on est dans le nouveau palace, celui de Saesan, le procureur qui voit le palais de justice comme un casino. Pour elle, la justice, c'est un gros pari. Attends, on ne peut pas aller par là. Ouais, on peut pas rentrer par la porte principale, ça serait dommage. En plus, on est mineur. Et les poubelles sont de bon. Et encore une fois, le jeu nous a concocté un petit décor des familles vraiment magnifique. On a eu une cinématique lors de la dernière, lors du dernier live. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à aller voir le replay sur Twitch ou sur YouTube, selon l'époque à laquelle vous le regardez. Et salut mon Redou! Comment c'était American Truck Simulator? Oh, ça veut dire que on est reconnu comme une menace, n'est-ce pas? Mec, tu comptes voler des trucs dans ce costume? C'est juste ce à quoi ressemble un rebelle pour lui. Bien, en fait, j'ai surtout fait du Dead Space. C'est pas mal aussi. Un très bon jeu, Dead Space. Non, pour moi, c'est l'image mentale d'une personne qui suit sa justice. J'imagine
J'ai plutôt l'impression que ton masque servirait à percer plutôt qu'à coller. En mettant ça de côté, les personnes à l'intérieur du casino semblent normales. Pourtant, on est dans un casino plutôt flashy. Et il n'y a aucun doute, c'est bien un palace. Et bah moi ça va bien, j'ai retrouvé mon bonnet panda. Bonnet panda qui était juste derrière moi en fait. Juste derrière le fond vert. Mais le bacal ne l'avait pas vu. Est-ce que je deviendrai vieux? C'est vrai, Cro ne connaît pas grand chose au sujet des personnes dans la pensée des autres, n'est-ce pas? Oui, en plus de la topographie similaire des personnes existantes dans la pensée de la personne sont aussi présentes dans le monde cognitif. Ça ne fait certainement pas beaucoup de sens pour toi, mais parce qu'ils utilisent tous des termes assez importants, compliqués. En essence, il semblerait que, vu qu'ils ressemblent tous à des personnes normales, Sae-san a une vue des autres plutôt non distordue. Et toi, mon Redou, comment tu vas? Mais en voyant ce qu'il y a devant moi, j'ai du mal à voir que ce n'est pas un casino. But... Toutes les personnes ne sont pas normales. Dans le monde de Futaba ou dans le Okumura Palace, on a dû en affronter quelques-unes. Les personnes peuvent avoir l'air normales, mais en fait, elles ont certaines particularités dans l'esprit de l'autre, ce qui leur donne un certain pouvoir. Et cela que vous devez traverser à chaque fois. En effet. Tranquille, je suis à la moitié de Dead Space. T'as une très bonne partie qui arrive. Moi, j'adore vraiment toute la partie finale. Enfin, finale. Une grosse partie de la fin est vraiment assez incroyable dans Dead Space 1. C'est une première pour moi, donc je suis un petit peu nerveux. Ne nous ralentis pas trop. Je ne permettrai pas cela d'arriver. Bon, allez, on doit rentrer. Notre limite de temps, c'est le 20 novembre. Si on retarde trop, on va être rattrapé dans la réalité. Bien sûr, on va devoir trouver une route sécurisée pour notre infiltration avant d'envoyer la carte, comme d'habitude. Ah oui, la carte n'était pas juste pour la démonstration. C'est un pas nécessaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas arrêter de nous interrompre? Je m'excuse. Allez, on y va. Dans l'épisode 6, je dois buter le Léviathan. Ah, c'est juste après, je crois. Ou juste avant. J'ai du mal à me rappeler. Bienvenue les voleurs. Oh, elle a pu nous voir. Vous êtes après mon trésor, n'est-ce pas? Venez, je vais vous montrer où c'est. Pas? On va pas tomber dans un piège aussi simple. C'est pas un mensonge.
Je ne veux juste pas d'un combat qui ne soit pas à égalité. Vous n'allez pas vous enfuir, n'est-ce pas? On devrait faire comme elle le dit. Il n'y a pas vraiment de raison de nous cacher maintenant. Il y a énormément de galères avec le canon. Pour arrêter les météorites. Ouais, c'est une partie un peu chiante. Mais... Donc vous êtes venus. Le trésor se trouve à l'étage du manager, du maître des lieux, au point le plus haut du bâtiment. Pourquoi est-ce que tu nous dis ça? Comme je l'ai dit avant, je ne souhaite juste un combat qui soit à égalité. D'abord, j'aimerais ce que vous veniez avec moi, on parlera de ça là-bas. Bordel, elle est par là. Ouais, il va falloir monter. Il semble qu'on puisse utiliser cet ascenseur pour atteindre les sommets. Bien, Joker, on doit la poursuivre. Pas si simple. On doit partir à sa poursuite, Joker. C'est bon, arrête de me donner des ordres maintenant. Ça va aller. Activer le téléporteur. T'as un chaton? Oh oui, t'as un bon chat. Oh oui, t'as un bon chat. Oh. Il vous faut une carte d'authentification, s'il vous plaît. Insérez votre carte de membre. Une carte de membre. Peut-être en relation avec un club de joueurs ou quelque chose du genre. Je n'arrive pas à comprendre quand tu parles technique. Dis-moi les trucs de façon claire. Do you have a moment? Les casinos ont typiquement un système de membres qui s'appelle le club des joueurs. Comme ça, certains endroits, certaines zones du bâtiment sont réservées à des joueurs de haut rang, ceux qui parient plus, ceux qui gagnent. Considérant la façon dont le bâtiment est agencé, je pense que ça doit être similaire à un casino normal. What? Cela rend les choses plus simples. On n'a qu'à rentrer dans ce club des joueurs. Je serais plutôt d'accord avec toi, mais... Oh, une ombre. Comme je le pensais. Je pense pas que s'enregistrer soit si simple que ça. I see. Il semblerait que on ait besoin de recourir à la violence contre la sécurité pour l'atteindre. Allez, c'est parti. Ah, je le connais. Ne vous inquiétez pas, je vais gérer ça. Je dois prouver que j'ai de la valeur après. J'ai de grandes attentes. Yes. Je promets de surpasser même ces petites espoirs que tu as. Oh hi. Well then, let us
Don't worry. Commençons. You can leave this one to me. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me le laisser. Take them down, Robin Hood. Ah bah allez, Robin des Bois. Taste my wrath. Now, Robin. Some other way. Let's go. Il y a des insta-kills. La Almighty, forcément. Il est pas si mauvais. Et je peux en faire bien plus. Allez, on va gérer ces ombres rapidement. Attendez. Il semblerait que l'on puisse attendre une embuscade vu ce qu'on a entendu plus tôt. Je suis d'accord. J'aimerais qu'on les gère le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, nous devons trouver une route d'infiltration. Je suppose que nous devrions nous en aller et nous préparer. Bien, je vais croire en votre expérience et votre jugement. Faisons comme vous le dites. Aujourd'hui, je suis passé de surprise en surprise. J'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler tous ensemble. Je suis d'accord. Il va falloir qu'on t'explique tout ça pas après pas. Ça me semble pas nécessaire. D'abord, on sécurise une route de sortie. Et après, on envoie la carte, n'est-ce pas? Comme cela, le cœur du maître des lieux... se manifeste dans une forme physique et en volant le cœur et on lance un changement de cœur. Toujours pas en couple, non, on est toujours pas avec Futaba. On y est bientôt, mais il fallait qu'on passe par le Memento. J'imagine que tous les pas sont parmi ce que je viens d'expliquer. A plus. C'est pas aussi facile que cela le paraît. Ne sous-estime pas tout ça. Je ne sous-estime rien du tout, vous l'assure. Au fait, l'ombre de Nejiba semblait plutôt confiante. Mais il va falloir faire attention à ce qui pourrait arriver. Continuons avec confiance. Très bien. Laissez-moi savoir quand vous rentrerez dans le palace. Bien sûr. Parfait, je serai disponible quand vous en aurez la nécessité. Ça suffit pour l'instant, laissons-nous du temps pour préparer ce qui va arriver. Ah oui, désolé d'avoir pris toute la conversation. On compte sur toi, Akeshi. L'erreur n'est pas une possibilité. Oui, je vais tout faire pour réussir à atteindre vos attentes. Le moment crucial est enfin là. Il va falloir tout donner. Mais on s'approche de Futaba, Redou. Il nous reste franchement pas grand chose. Les gars, il y a vraiment des problèmes, il y a même une prime sur vous. Mais je crois que les voleurs fantômes sont innocents. J'ai changé la question du site. Mais c'est déjà totalement le bordel dessus.
C'est aussi un problème pour moi si les gens ne pensent pas que les voleurs fantômes sont des héros. Incapable, tu es trop lent. C'est vrai. J'ai jamais été très doué pour la drague. Il va falloir nettoyer tout ça et rétablir votre nom aussi vite que possible. On compte sur vous. Les gens nous abandonnent même sur le site. Notre popularité est vraiment au plus bas. Hey. On peut rien faire. Wow. Le moment est enfin venu. Quoi qu'il arrive, nous devons changer son cœur. En effet. Je compte sur toi. On a peut-être tous nos méthodes personnelles de faire les choses, mais on devrait procéder comme d'habitude. Fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas, Bakel, je suis pour toi. C'est pour ça que c'est à toi que je demande pour me donner un coup de main. La pluie tombe et c'est super agréable à entendre. Il n'y a pas besoin d'être aussi inquiet à propos de tout ça, n'est-ce pas? Prenons autant de temps que nécessaire pour être prêt. Tout est nécessaire du moment que ça aide notre mission. Tu as notre soutien. Tu es le maître. Tu es le chef du groupe après tout. Le leader. I am the leader. Il faut être sûr que ce plan sera un succès. Mission start. Vous avez 20 jours. Tu devrais dire aux autres ce que Michimia t'a expliqué. Est-ce que tu es occupé, le palace? Rencontrons-nous et cherchons le chemin vers le trésor. Ah, donc c'est cet endroit que vous utilisez comme cachette. Est-ce qu'on peut juste commencer? On a jusqu'au 20 novembre. Il y a une possibilité que la date soit avancée. J'en doute. Comment peux-tu être si sûr? Est-ce qu'ils ne veulent pas nous attraper aussi vite que possible? Ils sont peut-être corrompus, mais il y a toujours de la bureaucratie. Certaines étapes sont toujours nécessaires pour permettre l'avancée d'une opération. Je suis impressionné, le petit détective. J'en sais pas mal sur les bureaux, le bureau des affaires internes. Il est plein de promesses. Yes. C'est une relation réciproque entre moi et la police. Chacun donne à l'autre. Et vous m'apprenez des choses au sujet des voleurs fantômes. Donc c'est autant de faveurs que je vous rends
En vous expliquant la façon de travailler de la police. Et soyez sûr que je vous donnerai les informations si l'enquête semble avancer bizarrement. Yes. Ça serait gentil. Infiltrons le palace. Ce soir, ça va être full combat, les amis. Il va y avoir un peu de discussion, mais si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Des questions, des envies, plus de photos de la cowboy girl qui sert de statue de la justice devant le palais de justice en forme de casino. Chope là, allez, prends là la direction de lit. Mais non, c'est la femme de ma vie, Redou. Je prendrai tout le temps nécessaire pour que notre amour avance dans le bon sens. C'est une relation pure que je veux entretenir avec elle. Puis c'est un jeu vidéo, c'est pas. On joue pas à GTA quoi, je vais pas coucher avec la première fille qui traîne. Tellement plus facile de passer tout droit. Mais l'on ne veut pas. Le jeu ne le veut pas. Oh, ils sont bleus déjà. Par contre, choisis Futaba, pas Phoebe. 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 On va pas jouer au même jeu, toi et moi. Ah ouais, c'est vrai, on avait choisi Phoebe dans Mass Effect Andromeda. Putain, j'avais oublié quoi. Mais ça, c'était bien fini, hein, franchement. Voilà quoi. On l'avait fait dans la capsule de secours. Putain, je l'avais totalement oublié Mass Effect pour le coup. Il faut bien dire, Mass Effect Andromeda, c'est pas le jeu qui m'aura laissé le plus de. Oh, on rentre directement en dice à chaque fois, c'est cool. Parce que si tu te trompes Futaba, elle va pas être d'accord. Et de toute façon, Joker ne peut pas sortir avec Phoebe, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Du coup, comme Joker est un homme. D'ailleurs, j'ai trouvé une image qui est assez sympa de Joker. Attendez, je vous la mettre. Source Media. Ah non, c'est source image.
j'ai un tas d'images que, qui ne sont plus liées à rien. Faut que je fasse le tri un moment. Voilà un dessin très sympathique de ce qu'aurait pu être Joker en version femme. Et je l'ai trouvé si sympa que je l'ai téléchargé du coup. Parce que pour le coup, il est vraiment très très cool ce dessin. J'aurais bien aimé connaître le dessinateur. Et du coup, je me suis longtemps demandé si le jeu avait été... Faudra que j'achète un livre à ce sujet pour voir si le jeu n'avait pas été préparé pour jouer les deux sexes. Vous savez, choisir au début du jeu si on serait un homme ou une femme. Ah, il semble qu'on soit dans la salle de... Enfin, à l'arrière. Bien, vérifions tout ce qui est autour de nous, on devrait pouvoir trouver quelque chose d'utile. Comme quoi? Ah, je viens de comprendre, tu veux qu'on cherche l'ordinateur avec les données des clients. C'est ça, je suis content que tu m'aies compris aussi vite. Toutefois, même si on trouve un terminal de genre, il n'y a rien que je ne puisse faire avec mes talents. T'inquiète pas, c'est là où je rentre en scène. Laisse-moi gérer ça. J'adore la musique de jeu, sérieusement. On peut dire ce qu'on veut de beaucoup de choses dans le jeu, du fait qu'il ait jamais été traduit et tout. Mais n'empêche, ils ont fait un superbe travail, que ce soit dans la direction artistique ou dans la musique. Même si pour moi la direction artistique compte aussi la musique. Viens à nous. Juste la façon vivante qu'a le personnage de se mettre dans les coins, quoi. Juste ça, c'est juste énorme, quoi. Qui était vachement forte. Non, il a 400 points de vie, donc il devrait pas perdre autant de vie d'un coup, quand même. Regardez la façon vivante dont il se déplace dans les bâtiments, quoi. La façon dont a été intégré le système de camouflage dans les murs. Regardez, c'est juste vivant, regardez. Hop. On y croit, moi j'y crois en tout cas. Là, hop, un petit slide, tranquille. Desire.
somewhere. Oh, yeah. Un jeu incomplet. Show me your true form. Oh. The enemy is weak, but wind won't do much to it. Contre le feu et eux contre la lumière. Persona! Bang again. Don't you know? Oh, just that thing. Battle pass. Je te l'ai géré. Allez, gamin. Robin Hood. Wouhou! Okay. C'est tout ce dont j'ai besoin. This feeling. I think there's a safe room around here. Et une salle de sauvegarde juste en face. Ok. Retournons au travail. Là où il y a quelque chose, c'est obligé. Un passage. Ouh, là il y a un défaut de décor. Et oui, la prise de surprise. C'est pas ça. Sans naufrage. Zoro. Oh, c'était le vent, parfait. C'est quoi qui m'a volé? J'avoue, celui-là, pas mal. Ça, c'est un ennemi qui va pas falloir... C'est une carte de sécurité. Parfait.
Putain, les terminaux sont par là. Et comme on n'a pas attiré l'attention des gardes, on peut le prendre par surprise. Oh oh. No brain skill. Ooh, Joker, you're looking cool. Let's go faster. There's done for. Oh, Kazuo qui joue à Overwatch ce soir. Le mec fait de la qualité. D'accord. Merde, ça lui remet de vie. Un petit bonus de monnaie comme d'habitude, grâce à nos talents de politiciens habiles. Oh, l'ennemi a fait tomber une carte. Laissez-moi gérer. C'est une carte vierge. On va pouvoir mettre une carte de membre. Ouais. Bien, je ne savais pas quel nom lui mettre, donc j'en ai choisi une au hasard. Au hasard. J'ai pris Taro Tanaka. Est-ce que c'est pas un peu simple? Est-ce qu'ils ne vont pas découvrir ce qu'il y a? Ils savent déjà à quoi on ressemble. C'est pour ça qu'on s'est introduit dans mon palace. Donc encore une fois, c'est certainement mieux de faire attention plutôt que d'être désolé. Bien, le faux nom de cette carte est un peu plus élaboré. Shinji Nakano Matsu. Ah, j'ai aussi trouvé une carte du casino. Joker, je te confie la carte et les cartes. S'il te plaît, ne les perds pas. Et pour la carte de Taro Tanaka... Pro, prends-la s'il te plaît. Non, Pro, jette-la la prochaine fois que tu verras une poubelle. Pourquoi moi? Ah oui, ce genre de tâche tombe toujours sur le petit nouveau. Oh. Oh, ça semble être une sortie parfaite. Dépêchons-nous. En plus, on va pouvoir utiliser l'ascenseur maintenant, n'est-ce pas? D'après la carte, ça sera plus rapide d'utiliser ce chemin que de retourner par là où on est venu. Bien, allons-y. Très bien, retournons à l'ascenseur. On a la carte de sécurité, autant l'utiliser. I can feel it. Je peux le sortir. Un ennemi s'approche. Je sais à quoi ressemble son flingue. Ah, c'est un fusil, un flingue de lumière. Yeah. Ah, merci pour le café.
Attends, garde ton argent près de vous. Ok. Give me a sec. Oui, ce mec parie beaucoup d'argent, soyez sûr qu'il perde. Maintenant, l'invité numéro 48 et celui 92, ils ont beaucoup perdu aussi. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de surveillance dans le casino. Allons quelque part d'autre. En bas. Faut tout visiter. Le plus important. Le prochain jeu du 24 heures. Et qu'est-ce que ça va être, mon Redo? Le mec a dépensé tous ses deniers dans la boutique. Bon, tu vas me dire, ça sert à ça, mais. La liste de jeux, please. La liste de jeux, c'est la même que d'habitude. C'est tout ce qu'il y a dans info à peu près. Et puis des jeux qu'on peut finir en 24 heures. Je veux dire, certainement que si vous me proposez de jouer à, je sais pas, à Persona pendant 24 heures, je veux bien. Par contre, on finira pas le jeu, c'est sûr. Je veux dire, même avec tous les efforts du monde, c'est impossible de finir à 24 Persona en 24 heures. Quoi. En y réfléchissant, il y a peut-être moyen d'y arriver. S'il te plaît, laisse-moi partir. Non. Donne-moi un objet. Je peux faire mieux. Be careful. D'accord. Too slow. Crow's got some milk. Good work, everyone. Non, tu veux pas aller dans l'info? Tu l'as déjà fait, mais j'ai envie de te voir dessus. Vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il y a un message qui n'est pas apparu? Dead Space, prenez vous. Ça doit pouvoir se faire. Je l'ai, Dead Space, dans ma liste. Ah, parce qu'il y a une époque où je téléchargeais les jeux, moi aussi. Et c'est possible qu'il fasse partie de ma liste que j'ai. Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui m'avait pas mal. Il y a un outil de recherche ou quoi là-dedans? Forcément, ça doit pas être... ça doit être dans Sony, je pense. Il est dans le jeu des maths. Putain, j'ai Dead Space sur Steam, moi. Putain, je savais même pas quoi.